Eh bien salut à tous, Alex Benito. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma carrière Football Manager avec le Stade Rennais. Aujourd'hui, on clôture cette carrière, voilà petit à petit, tout ce qui a commencé l'année dernière avec le début de Football Manager 2020 est en train de s'arrêter petit à petit. Aujourd'hui, c'est la carrière avec Rennes qui se termine. On en avait parlé la dernière fois beaucoup. Aujourd'hui, on termine la saison. On est en route vers un titre de Ligue 1. Il nous reste trois matchs, 9 points en jeu. Euh, par rapport au Paris Saint-Germain, qu'on va rencontrer d'ailleurs euh, dans ces trois derniers matchs. Et ensuite, on fera un gros, gros bilan sur cette carrière. On ira voir euh, tous les joueurs, quels sont leurs potentiels, qu'est-ce qu'ils ont accompli au club. Et surtout, euh, quel bilan retenir de cette carrière à Rennes. Et ensuite, on va se projeter vers Football Manager 2021 et euh, imaginer des futures carrières. Je sais qu'on me le demande euh, beaucoup. Donc la dernière fois, on s'était fait éliminer par le Barça. Voilà, on sait que c'est beaucoup trop dur. Demi-finale de Ligue des Champions. On n'ira pas défier Manchester City en finale. Ça aurait été trop dur, on s'est bien battu. Euh, mais malheureusement, voilà, c'est. Il faudrait, euh, faudrait insister encore et encore et encore pour, euh, pour tenter de battre cette équipe invincible. On a euh, Eric Ericsson qui est suspendu. On va donc jouer à l'attaque avec euh, Domingo Moreno, Cayo George, Sarmiento, le milieu de terrain. On va mettre euh, De Seta, Servé, Hermosillo. C'est l'énorme équipe. Hein. C'est la très très grosse équipe. Arthur Zagre, Esposito, Zinho Van Der Den, Franco et euh, Mariano Simon. Marino Simon, pardon. Allez, c'est validé. Dans cette euh, tactique et bien évidemment, euh, avant de, de poser la question, je euh, vous partagerai la sauvegarde de cette carrière à Rennes pour les gens qui ont envie de continuer un petit peu sur Football Manager 2020. Euh, comme ça, vous pourrez continuer parce qu'on a encore une équipe qui est très jeune et qui peut y aller. Donc, ça sera un petit peu le, le Benito Challenge. On y reviendra tout à l'heure. L'équipe avec Vanja, le gardien que j'avais testé en Serbie. Euh, ils ont aussi Jubels, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, il n'a pas progressé comme on, on l'espère. Euh, Sisto, il est vraiment sur la fin à 34 ans. Ils ont aussi Charlie Peir à l'attaque. On ne sait pas trop trop ce que ça vaut. Ça peut, euh, ça peut être pas trop trop mal. Après, voilà, vous connaissez notre équipe. À domicile, on est plutôt très solide. Et une victoire aujourd'hui nous permettrait de gagner la Ligue 1. Ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même très très bien aussi. Et voilà, l'ouverture du score de Caillot Georges. 36e but de cette saison. Il est énorme. L'année dernière, il avait passé la barre des 40 buts. Et là, c'est le coup de tête, il n'était pas seul. Hein. Il n'était pas seul, puisqu'il y, euh, y avait aussi deux hein, Seta qui n'étaient pas loin de mettre euh, la tête. Et attention à la réaction des Canaries de Nantes. Avec une passe en retrait. Pour Vanja, qui m'avait totalement fait halluciner euh, le nombre de boulettes de ce gardien. C'était juste abusé. Lorsque je l'avais recruté avec le partisan de Belgrade. Dans ma carrière online. servet Quel ballon Quel ballon de Georges Servet Pour connaître Georges C'est caillot Mais il y a peut-être hors-jeu. Le but sera refusé. L'ouverture et l'inspiration est parfaite, mais voilà. Caillot-Georges, il va trop vite. Il va même trop vite. Et il se retrouve en position de hors-jeu. Allez, un nouveau corner. Et voilà, le deuxième. Cette fois-ci, c'est validé. 2-0, doublé de Caillot. Il est incroyable, ce joueur. Il est incroyable. Au début, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais franchement, on va faire un énorme bilan sur lui. Il commence euh, à arriver dans la fleur de l'âge à 27 ans. Oui, oh, il va y avoir Pedo là. Il va y avoir Péno, la grosse faute de euh, Yuri Ribeiro. On va aller voir euh, l'arbitre. Va aller à la VAR. Mais à mon avis, c'est sans appel. Penalty, penalty pour aller chercher le triplé. C'est validé. Le hat-trick pour Caio George qui va soigner ses stats en fin de saison. C'est incroyable. Ce joueur-là est vraiment incroyable. La saison dernière, on le voit ici 43 buts au total, 32 en Ligue 1, 3 en Coupe et 8 en Ligue des Champions. Euh, là, c'est énorme. Et là, c'est pareil. Là, c'est vraiment pareil. Il est sur des stats totalement hallucinantes. Et malgré ça, je pensais qu'il aurait plus de concurrence. Avant, je jouais en 4-2-4 de avec des ailiers et que deux attaquants. Donc, il avait quand même un rôle prédominant. Là, on se retrouve à trois attaquants devant. Donc, je me suis dit, avec trois attaquants, il va avoir plus de concurrence. Et peut-être que les buts seront un petit peu plus répartis sur les autres attaquants. Mais au final, non. Au final, c'est toujours un monstre. Après, je choisis de le mettre en pointe, hein, contrairement à Moreno et Sarmiento, qui sont plus là dans un rôle de soutien hein, sur les côtés. On le voit ici, Sarmiento qui va jouer en retrait avec De Seta, De Seta, avec Servet oh, oh la frappe Oh la frappe Et on va faire participer à la fête Paul Pogba, ainsi que Moussa Dembélé. J'ai toujours dans cette carrière euh, veillé. À avoir euh, une majorité de joueurs français, en voir Thurzagré, en voir Servé, Pogba, Dembélé et après bon derrière c'est un petit peu plus compliqué mais euh, bah, j'ai Endombélé aussi. Quel but Quel but euh, J'ai l'impression que l'arbitre va le refuser mais pour moi euh, on aurait dû valider ce but à Hermosillo. Hermosillo qui balance la mine. Et caillot Georges à aucun moment ne touche le ballon. Donc là, il euh, faut m'expliquer. C'est un peu décevant. Et Caillot Georges hein, qui a totalement euh, qui a pris tarif là. Il a un risque de blessure élevé. On va faire rentrer Ndombele et inverser comme ça. Pour permettre à, à Caillot Georges de souffler dans, dans cette fin de match. De sortir sous les ovations du public. Qui va sûrement le féliciter? Les confettis à Rennes, pour la deuxième, euh, la deuxième année. Pas consécutive, mais c'est la deuxième fois qu'on remporte la Ligue 1 dans cette carrière. C'est assez monstrueux quand on connaît le rythme du Paris Saint-Germain. Donc voilà, triplé de Caillot. Bon match, les gars, merci. Merci beaucoup, merci pour tout. On vous oubliera pas. On ne vous oubliera pas, tu vois, l'équipe avec, euh, avec Alande, avec Rodrigo, euh, c'est quand même très costaud, content de la promesse tenue, etc., etc. Le titre. On vécu le rêve de tout supporter en remportant la Ligue 1, le coup du chapeau réalisé. Voilà, il ne va pas l'oublier de sitôt, celui-là. Il va même pas, voilà, ils sont tous contents parce que je leur avais promis un titre. Benito, au Panthéon du football français, au niveau des meilleurs entraîneurs ayant jamais exercé en France après avoir remporté la Ligue 1, le succès du talentueux entraîneur et de son équipe du Sadréné, L'on fait entrer au classement des meilleurs techniciens de France. Ah oui. Meilleur technicien de France avec ce, ce deuxième titre. Après, effectivement, on compte que les trophées euh, avec, euh, acquis avec des clubs français. Donc forcément... Diego Simeone, qui est parti à l'Inter, mais qui était au Paris Saint-Germain, euh, a remporté un max de, de titres. Laurent Blanc, il a rapporté avec Paris, avec Bordeaux. Le Gwen avec Lyon, dans les années 2000. Et Méjaquet avec Bordeaux. Hein. Udalé Emery avec Paris. Et moi, j'en ai remporté 4. Donc, une Coupe de France, deux Ligue 1 en 2026 et en 2029. Deux trophées des champions en 2024 et 2028, et une Coupe de la Ligue en 2020. Donc là, on a quand même un résumé de tout mon palmarès. Euh, tout mon palmarès. Euh, et si on résume les stats de la carrière, 3596 jours au club. Donc c'est assez énorme. J'ai acheté 76 joueurs pour 1,6 milliard. Et j'en ai vendu 110 pour 1,29 milliard. Donc j'ai fait, euh, fait 23 millions de budget. De, j'ai fait 23 millions de bénéfices. Quand même, voilà, euh, ma dépense la plus importante, elle est de 67 millions. Euh, ben C'est quand même énorme, hein, 67 millions pour Zagre, j'ai un peu craqué. Euh, et j'ai vendu Ryan Cherky 100 millions. Donc 475 matchs joués pour 322 matchs remportés, seulement euh, 83 défaites et 70 matchs nuls. Voilà pour les carrières. 1042 buts marqués pour 441 encaissés, avec une différence de buts de 601 en positif et un pourcentage de victoire de 67%. C'est très fort, hein. C'est très très fort. On va aller affronter Paris. On écrit l'histoire. Je pense qu'on doit euh, peut-être peut rentrer, pas encore dans la légende, mais dans les grands noms. Georges Servet, Sylvain Wiltord, Alex Benito, Danze, Caillot Georges, forcément, qui est dans les, les grands noms. Les grands noms du club. Avec lui, avec ce, ce joueur de 25 ans, Georges Servet, euh, voilà, formé au club et qu'on a, qu a gardé euh, jusque-là. C'est énorme. C'est énorme. Je vais avancer jusqu'à Paris, on va faire le match. Je ne sais même pas si j'ai besoin de faire le match. En vrai, je suis champion. Je suis champion. Euh... Les joueurs, ils vont être tellement relâchés qu'on va le perdre ce match. On va le perdre. Donc autant passer au bilan euh, directement. On a rapporté un peu d'argent, nanana, nanana. De toute façon, euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer jusqu'à la fin de saison et on va se retrouver pour le bilan. La saison est terminée. Les 100 points cette saison, c'est monstrueux. 100 points marqués avec seulement deux défaites, les deux face à Lyon. Euh, pour dire que c'est vraiment une... mon chat noir et une équipe que j'ai eu vraiment du mal à jouer. 4 matchs nuls et euh, 32 victoires pour, 4... pour 103 buts marqués et seulement 20 encaissés. Voilà, meilleure attaque, meilleure défense, le plus gros nombre d'occasions créées. On a vraiment été très très fort. Georges Servet, meilleur passeur, meilleur joueur de la Ligue 1. On n'en on en peut plus. On ne se lasse pas de euh, ce joueur en sélection avec l'équipe de France, évidemment. Pour la fin de saison, on a fait match nul grâce à Dario Sarmiento et on a battu, euh, battu Guingamp en 5-0, Servet Moreno et euh, Luca Pellegrini. Donc voilà, on va faire une revue d'effectifs pour terminer cette... Euh, carrière. Je suis euh, un petit peu triste. Voilà, carrière qu'on a commencée euh, à la sortie de Football Manager 2020. Euh, football Manager 2021 arrive très bientôt, donc euh, je suis déjà sur euh, la réflexion d'une nouvelle carrière, de nouveaux projets, etc. etc. Euh, certains euh, savent un petit peu que j'ai envie de me rapprocher euh, du football espagnol, de, de faire une carrière euh, en Liga, voire en Liga délantée. Euh, et de pouvoir monter, enfin c'est la Liga hondo stress maintenant, je crois, pour euh, faire une deuxième division espagnole et ensuite m'installer euh, régulièrement en Liga. Pour l'instant je sais pas trop, je sais pas trop encore. Ça pourrait être le FC Séville, ça pourrait être Cadiz, euh, ça peut être Santander, ça peut être Rilona. Il y a beaucoup de clubs euh, qui, que je trouve super intéressant et aussi voilà pour avec des joueurs euh, avec des joueurs techniques pour développer voilà une tactique euh, qui a de la vista, qui joue, j'ai envie de voir du beau jeu, j'ai envie de m'amuser un petit peu comme dans la carrière que je suis en train de faire en Argentine, à Vélez, où je vois vraiment du beau jeu et c'est vraiment très très plaisant. Donc euh, voilà un petit peu pour, pour ce que j'imagine pour la suite, je ne suis pas encore décidé, je me déciderai je pense au moment où, où je lancerai le jeu pour la première fois et j'irai voir un petit peu les effectifs, j'irai voir les structures, j'irai voir les budgets, j'irai voir un petit peu ce qui m'intéresse et ce que je pourrais faire. Donc, revenons sur cette carrière à Rennes pour la terminer euh, d'une belle façon. Revue d'effectifs, nous avons Pierrick Baudin, que j'avais acheté 4 millions, qui finalement a été un numéro 2 un petit peu toute sa vie. Euh, après, il a encore que 23 ans, donc il a encore euh, possibilité de jouer. Peut-être pas chez nous, parce que le potentiel n'est pas terrible, terrible. Un petit peu dommage. Marino Simon n'a que 20 ans, les gars. Il n'a que... 20 ans, regardez-moi ce mec. C'est dommage qu'on ne peut pas faire un retour arrière sur ses stats et, et voir, euh, voir les progrès à quel moment... Euh, je ne peux pas remonter si loin en fait. Je ne peux pas remonter si loin. Je peux remonter en 26... Euh... En 26, euh, si je coche que euh, les... Si je veux cocher que les stats de gardien, disons les réflexes, prise de balle. Il est 1 contre 1. Il était à 13 de 1 contre 1. Il est monté à 16. Il était à 15 de réflexe. Il est monté à 16. Bon, là, il n'a pas trop, trop progressé. Euh, la relance. Il a bien progressé les sorties. Hein, il a beaucoup progressé dans les sorties. Il était à 9. Il est passé à 12. Donc il y a quand même. Énorme progression et il n'a que 20 ans. Voilà, acheter 21 millions, c'est Ultra War. Ça fait déjà 3 saisons qu'il joue pour nous. Il a commencé à 17 ans. Il était un petit peu juste. Là, il commence à être monstrueux. Euh, je pense que si vous continuez cette carrière, euh, il y a vraiment un énorme avenir devant Marino Simon qui, encore, euh, est annoncé beaucoup plus haut par rapport à son niveau actuel. Donc, euh, grosse, grosse, grosse machine. La défense, vous avez de l'avenir avec Eric Ericsson, le Suédois, qui nous régale. D'ailleurs, observé par le Borussia Dortmund, que j'ai acheté 30 millions, il était à Ludinets qu'il n'a jamais fait jouer, ils l'ont prêté à Estoril, je l'ai racheté direct derrière euh, lorsqu'il était euh, à Estoril. Euh, tu as également, euh, bon, on va aller faire dans l'ordre, hein. Franco, arrière droit, très très rapide, assez complet. Je pense qu'il a atteint son potentiel max. C'est beaucoup de passes décisives à chaque fois, chaque année, il a eu une grosse blessure. Il a eu une très très grosse blessure à euh, deux mois cette année, la rupture des ligaments du genou. Donc on espère, que, euh, on espère que ça va bien continuer pour lui. On a Florian Agne qui n'a que 22 ans finalement et qui a bien 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 dépanné cette saison euh, à la fois arrière-droit et arrière-gauche. Il a cette polyvalence très intéressante qui permet de dépanner un petit peu partout et il l'a fait magnifiquement. La mascotte Valentin Liénard qui est toujours là. Euh, bon, ben, là, 31 ans, il continue les podcasts. <laughs> Zinho van Dusden, qui était là en, en joker et qui a toujours bien servi. Très, très bien servi. Guimares que j'ai eu en prêt, finalement, je ne l'ai pas trop fait jouer. Je ne l'ai pas trop, trop fait jouer. Hermosillo, 26 ans. Vous avez là euh, une pièce maîtresse du jeu, je pense. Euh, ce poste de milieu défensif euh, clé qui va permettre à la fois de récupérer beaucoup de ballons de ratisser comme on dit avec ce cesse de tacle et ce bon marquage très très belle relance et vision du jeu aussi donc c'est un joueur qui va récupérer et qui va relancer directement un petit coup de vista hop pour faire des longs ballons Luca Pellegrini qui était là aussi en joker de luxe pour remplacer euh, euh, Zagré lorsqu'il a été euh, blessé ben, Zagré parlons-en parlons-en Zagré je suis très content de son rendement regardez la saison qu'il fait il est pas il ne peut pas jouer toute la saison. Il est titulaire que 15 fois et 6 fois rentré en cours de jeu. C'est 12 passes décisives. Le ratio est énorme. Le ratio est énorme. C'est 15 titulaires, 12 passes. Et bon, il a été blessé. Il a été blessé. Euh, il a pris 3 semaines. Non, c'est même pas là. Il a eu des petites blessures. Mais euh, pas de grosses blessures pour lui. Mais bon, il était un peu concurrencé aussi. Cristiano Esposito, le défenseur italien. C'est un monstre physique, les gars. Je suis très très content d'avoir trouvé ce joueur et je suis un peu dégoûté de l'abandonner si tôt. Je pense qu'il peut aller très très loin. Enfin, franchement, dans l'équipe, il n'y a quasiment rien à changer à part faire peut-être un remaniement tactique et redisposition... la redisposition des joueurs. Mais Cristiano Esposito, waouh 1m96-88 kg. Il court très vite. Il a un courage exceptionnel. Il a de la technique. Il a 17 de tacle. Il est monstrueux. Paul Pogba, 36 ans, ben on l'a gardé deux ans. On l'a gardé deux ans, il est arrivé gratuit. Encore voilà, très très bon rendement. Euh, très très bon rendement pour ce qu'il fait. Il ne prend toujours pas sa retraite. Il n'a toujours pas annoncé sa retraite. Euh, il arrive en fin de contrat. Donc si vous voulez le garder, euh, n'oubliez pas de le prolonger. tant Dombele aussi. 32 ans, mais euh, ben, toujours très bon. Toujours très très bon. Lorsqu'on a fait appel à lui, c'est euh, une saison exceptionnelle. Il euh, n'y a pas à dire. Tous les joueurs ont fait une excellente saison même gorka somavia que j'essaye d'apprendre qui commence hein, au début c'était rouge au début il était comme ça il avait euh, il avait rien et là il commence même meneur de jeu il est quasiment euh, il est quasiment prêt à jouer meneur de jeu donc euh, je l'ai peut-être reconverti un petit peu trop tard mais euh, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec somavia de seta il a beaucoup apporté il est très bon il est très bon, acheté 10 millions, hein, donc ça a été un peu le, la petite recrue euh, pas chère qui a fait le taf. Georges Servet, on ne le présente plus. Euh, monstrueux. Il, il, chaque année, c'est 15 passes d'aise, c'est des notes hallucinantes et c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à chaque fois. Sarmiento, il a tellement, tellement apporté. Dario Sarmiento, regardez ça, regardez, depuis qu'il a été prêté à Reims, c'est un énorme rendement. Là, il fait sa meilleure saison avec nous. Dario Sarmiento, j'ai reçu des offres de quasiment 80 millions hein, de la part euh, de Liverpool et du Barça, je crois le Real Madrid aussi voulait Dario Sarmiento, Moussa Dembélé ça a été un peu euh, flop, on ne va pas se le cacher, je voulais l'associer à Caio Georges et finalement il a été, il, voilà lui par contre il l'a eu, lui il a eu sa blessure de 3 mois et il me semble qu'il en avait eu une encore un petit peu plus grosse au début où je l'ai acheté. Uh, Domingo Moreno, ça c'est un joueur en devenir. Excellent, excellent, excellent. Et évidemment, le meilleur pour la fin, Caio Jorge observé par le Real Madrid. Il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux, donc vraiment joueur à suivre. Et, euh, et faire un joueur clé de l'équipe. Donc, ça c'est pour l'effectif. Euh, on peut aller voir aussi, euh, je ne sais pas si on peut voir dans le meilleur 11, peut-être qu'on va retrouver des joueurs qu'on a eu et qui finalement ne sont plus là. Zagadou qui a fait 254 matchs avec nous, qui avait choisi de partir en Chine. On n'oublie pas d'Anaxel euh, Zagadou et Oumar Solé. Oumar Solé, j'avais beaucoup, euh, beaucoup apprécié, mais qui finalement a atteint... Euh, il a atteint euh, un palier où j'ai pas pu le faire euh, le faire monter un petit peu plus, mais il a joué beaucoup de matchs avec nous, il a joué de la Ligue des Champions, je lui ai vraiment euh, donné euh, toute ma confiance. Avec Zagadou, c'était une bonne charnière. Aaron Martin, 214 apparitions aussi. Hein. Aaron Martin est arrivé pour 10 millions. Il a fait euh, vraiment un très très gros travail et il nous a euh, il nous a beaucoup régalé. André Anderson, André Anderson les gars. Ma pépite André Anderson, c'était wow. acheter 14 millions. Il nous a fait de ces saisons monstrueux. Il est parti pour 100 millions à Arsenal. Et franchement, euh, vous l'avez vu, vous aussi, dans cette carrière, euh, à mon avis, il, il a dû euh, hériter d'un potentiel aléatoire totalement énorme. Parce que euh, c'est vrai que dans certaines carrières que je fais à côté, il n'est pas à ce niveau. Il n'est pas à ce niveau et souvent, d'ailleurs, la Lazio ne le fait pas trop jouer ou alors ici dans un club où il joue pas. Là, il a joué toute sa carrière et d'ailleurs à Arsenal, regardez la dernière saison, c'est 15 buts en première ligue, c'est juste monstrueux. André Anderson, euh, pépite. Servet, on l'a vu. Morlanès, Manu Morlanès, je lui ai donné beaucoup ma confiance aussi. Il est parti 72 millions en Chine euh, pour un joueur qui avait plus trop, trop sa place sur la fin, mais. Euh, mais là, il était plutôt pas mal. Euh, J'ai toujours aimé ce joueur. Euh, là, il a, il a pris cher, je trouve. Je trouve qu'il a perdu en stats. Mais euh, vraiment, un joueur qui peut, qui peut vous servir dans les carrières si vous en recommencez. Alvaro Barreal, on ne l'a pas vu longtemps, lui, actuellement à Vélez. J'ai acheté 6 millions. La première saison qu'il fait, c'est titulaire en Ligue 1. Titulaire en Ligue 1, 9 buts. 4 passes d'Es, il a été très bon. La saison d'après, il n'est plus trop titulaire, mais il continue de marquer, etc. Au final, il est prêt, je le reprête à Vélez. Et il, il finit par s'engager libre au Portugal, où il régale. Il régale au Portugal. Ensuite, on avait qui On avait David Raya, hein, qui a bien participé aussi euh, pendant 3 saisons. Toujours très très bon, d'ailleurs. Toujours très très bon. Christian Romero, qui n'est pas resté très longtemps, mais lui aussi euh, parti en Chine, à 50 millions. Très très fort, Christian Romero. Euh, Lucas Touzard a fait plus de 200 matchs avec nous. Euh, impressionnant. Il est arrivé quasiment euh, gratuit. 6,5 millions, c'est vraiment rien. Et il a vraiment fait un énorme travail. Et toujours très régulier. Beaucoup de buts, pas mal de passes décisives. En tout cas, un joueur très décisif. Kamavinga, 115 matchs avec nous. Euh, vendu pour 51 millions. On l'a pu le garder en prêt euh, une saison de plus. Il est parti United. Et Lyon l'a racheté 130 millions. Donc là, il est actuellement à Lyon. Euh, Icone, il n'est pas resté longtemps, mais il nous a fait de belles saisons. Acheté pour 8 millions, il fait notamment une grosse saison à 10 buts. Plus derrière, c'est un joker de luxe. Et Amine Gouiri. Amine Gouiri, acheté 60, revendu 100 la saison suivante, euh, dont une année en pré avec moi. Donc euh, il fait deux saisons avec moi au final. Ça, c'est quand même très, très bien. Euh, passé. Dans les archives, euh, est-ce qu'on a le plus grand nombre d'apparitions C'est toujours Romain Danzé. Avec 323 matchs pour nous. Caillot-Georges a, a, euh, a détruit les buts. Euh, meilleure note moyenne, c'est Georges Servet. Plus jeune joueur, c'est Pierre Girardet. J'ai fait jouer en Ligue 1. Hein. Euh, le but le plus rapide, c'était André Anderson. Le plus âgé, euh, C'est Paul Pogba. André Anderson qui a marqué en 15 secondes. Put euh, inscrit dans un match 4 quadruplé. Plus grand nombre de passes D. 21 passes D pour Georges Servet. Match sans encaisser de but. Marino Simon, 27 matchs en clean sheet. Vraiment, euh, vraiment pas mal du tout. Hein. Transfert record. On a tout, on a tout, on a tout. Classement le plus élevé. Pourquoi ils me disent premier en Ligue 1 J'ai pas été premier en Ligue 1. Les trophées que j'ai, ils sont là. Hein ils sont là en Ligue 1. Après, j'ai souvent été deuxième. On fait vraiment une très très belle saison. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Vous savez quoi Je sauvegarde à ce moment précis. Je vous donne dans la description le lien pour télécharger. Euh, la partie, que vous pouvez continuer. J'espère que vous serez nombreux avec le hashtag Benito Challenge à me taguer sur Twitter sur les trophées que vous allez avoir, sur les joueurs, qu'est-ce qu'ils vous ont fait selon les carrières. Est-ce que Caillot va continuer à performer Est-ce que Georges Servet vous allez le garder, vous allez le vendre Je veux vraiment tout savoir sur comment vous allez gérer le club après mon départ. Voilà, Benito, une page se tourne. On prend, non pas sa retraite, mais on démissionne du club de Rennes. J'espère que euh, cette vidéo vous aura plu, que cette carrière vous aura plu. Je remercie tous les gens qui ont suivi cette carrière depuis le début et qui soutiennent. Commentaires, 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 il n'y a que ça qui compte, les gars. Je passe euh, beaucoup de temps à lire vos commentaires, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Donc euh, voilà, toutes les carrières que je vous propose, elles sont là pour la communauté Football Manager, pour discuter euh, de ces carrières, de ce qui, ce qui a été fait, de ce qui va être fait. Donc je vous remercie à tous, la masse silencieuse aussi qui suit mes vidéos depuis longtemps mais qui ne commente pas. Merci beaucoup pour les gens qui ont suivi depuis le début, pour les gens qui m'ont connu un petit peu après et qui attaquent tout en retard et qui vont découvrir cette vidéo beaucoup plus tard. Je vous dis à tous un grand merci et à la prochaine. Salut à tous.